Thank you.
Konbawa minasan, o genki desu ka? Kikoemasu ka? Ah, attendez, faut que je fasse des réglages. Hop. Hop. Je dis Naruto, vous mettez Naruto dans les chats, s'il vous plaît. Kiko élu et pas genki. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, pur noob? Qu'est pas ça? Coucou tout le monde. Oh, je vois des nouveaux. Oh, merci beaucoup, Nikumukun et Shadow Blood pour le follow il y a quelques minutes. Merci beaucoup. Follow shite kurete arigato gozaimasu sur notre channel. Yokoso, bienvenue sur la chaîne. Question habituelle, comment allez-vous? D'où venez-vous? Et comment avez-vous trouvé la chaîne? Bonjour, vous êtes qui? Et vous êtes qui? Et moi, je suis qui? Je m'en souviens pas. Vous avez l'air d'être en forme, dis donc, le chat, il est bien actif, là. Je vois même pas les messages passer. Oh là là. Moi, personne. Et oui, moi je me déclame, clap, clap pour la nouvelle commande que j'ai mis en place de bienvenue. Comme ça, si j'oublie de poser les questions, eh ben vous pouvez faire la commande. Kiko et Masen, pourquoi tu m'entends pas? Poste. Merci, merci, merci. Ah, coucou Arnos, comment tu vas? Hein, peinard, peinard, je sors de la douche de la France, pas loin de nos voisins allemands. La page Facebook. Il y a des gens qui viennent de la page Facebook. Oh, waouh. Tu es rare. Sache-le, Nikumu, tu es rare. Coucou Ayushu. Coucou Léo. Oh mon dieu, je sais pas, je le commencerai jamais, donc je peux pas t'aider. Quelle motivation de malade. Mais c'est tellement rare, oui. Genre, la page Facebook est tellement morte que... Genre, bienvenue à toi. Voilà, bienvenue. Oh, Nikumu, venant de Facebook. Hein? Bonsoir. Quand partons au Japon ensemble après la news partagée sur Insta ce matin? Je l'ai regardé en plus, je t'ai répondu je crois, et j'étais en mode « Ah, yes, trop bien, pas maintenant du coup. » Genki des, je vais bien, merci, c'est gentil de demander. Genki des, genki des. J'ai bien bossé aujourd'hui, j'ai fait plein de trucs, mais je vous dis pas tout. Et par contre, ma connexion est vraiment dans le rouge sur Streamlab, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je vais regarder au niveau du stream, attendez, si je peux diminuer tout ça. Pourtant, la qualité, on est... On est bien, je comprends pas pourquoi. Mais bon, tant pis. Hein. Attendez, hein. Parce que vraiment, mon Streamlab est en mode alerte rouge. Est-ce que vous, de votre côté, ça lag un peu? Ou au niveau du son, ça passe? Ou... On est d'accord que l'image, elle lag un peu. Hein. Est-ce qu'il serait pas en train de surchauffer, mon petit PC? Et que c'est pour ça que ça veut pas? J'aurais dû redémarrer mon PC. Je le fais tout le temps et là, j'ai pas eu le temps. Merci beaucoup, Spot Moonlight, pour ton follow. C'est trop gentil. Comment vas-tu? Follow shite kurete arigato gozaimasu sur notre channel. Et yokoso, bienvenue sur la chaîne. Oui, on est à 5 follow des 1300. 4 maintenant grâce à Spot. Et du coup, Ishtari, j'ai passé une excellente journée. Premier créneau contrôle, deuxième créneau contrôle. Ça n'a jamais été aussi facile d'avoir une paix royale et d'être payé pour... réviser mes kanji, c'est trop bien ça. Ah, vivement que je sois prof. Pas de lag de stream si t'annules le stream. Exactement. On va voir. Écoutez les gens, on va voir. Là, mon réseau est revenu bien. Normalement, l'image lag un peu moins. Ouais, ça a l'air. Ah bah, c'est redevenu mal. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Shiranai. Mais c'est pas grave. Alors, les gens, du coup, on va commencer par un petit test. Un gros test, même, sur les kanji qu'on a fait la semaine dernière pour voir si vous avez bien révisé, bien retenu, appris à les lire et à les écrire. Le plus beau métier du monde, mais le plus ingrat aussi.
Tu l'es pas déjà un peu? Bah si, je le suis déjà, mais j'ai pas vraiment, genre, entre guillemets, une vraie classe. Genre, moi, ma classe, là, un élève, s'il veut pas venir un jour, il vient pas, quoi. C'est pas pareil, les contrôles, s'il veut pas les faire, il les fait pas. C'est pas la même ambiance. Vous êtes beaucoup plus free que dans une vraie école avec des vraies notes et tout. Alors, Nikumu, les cours se suivent plus ou moins. Pour les cours de kanji, il y a toujours, là, je pense, au moins 30 minutes de petits exercices par rapport à la semaine dernière. Et après, c'est un nouveau cours qui aura la semaine suivante des exercices, puis des nouveaux kanji, etc., etc. Pour la grammaire, pareil, ça, on voit toujours de nouvelles choses, mais il y a toujours un lien évidemment avec ce qu'on a vu au début, parce que là, on est sur des cours de débutants. Donc, si tu ne sais pas les choses d'avant, tu peux des fois avoir du mal sur les choses qu'on voit actuellement. Mais tous les cours sont en replay sur la chaîne Twitch et sur la chaîne YouTube. Donc, si tu veux rattraper ton retard, c'est totalement possible, hein, en te rematant toutes les diffusions et tout. Attendez, parce que du coup, je vois pas tous les messages. Oui, et du coup, la semaine dernière, on a vu les kanji de 1 à 10. Kanji wa muzukashii desu. C'est un peu difficile, je suis d'accord. Kanji wa choto muzukashii desu ga. Mais si vous les révisez un peu tous les jours, ça va passer tranquille. D'accord? Oui, t'inquiète pas, Shadow. Il faut prendre le temps de regarder les rediffusions, mais c'est faisable. Sur les kanji, le cours d'aujourd'hui, bah, il faudra rattraper la semaine d'avant, mais c'est des kanji, donc vous en aurez forcément besoin. Il y a un truc qui va pas avec mon stream là, vraiment. Il est tout rouge. Ça va genre vraiment pas. Et je sais pas pourquoi. J'espère que c'est pas la co. Enfin bref, du coup, on va commencer tout de suite parce qu'on a quand même un petit programme aujourd'hui avec le premier exercice. Donc, premier exercice de lecture, vous devez trouver la lecture des kanji qui sont en rouge et soulignés. Donc là, pareil, je vous laisse, de toute façon, vous savez ou vous savez pas. Là, vous avez quatre phrases que l'on traduira aussi ensemble pour quand on sera au moment de la traduction. Mais je vous laisse aller 2-3 minutes, 2-3 minutes pour essayer de lire tout ça. Dès que vous avez, vous me dites dans le chat fini. Et dès que je vois que beaucoup de personnes m'envoient qu'ils ont fini, on passe à l'exercice suivant. Pour faire les tests aujourd'hui de connaissances, on a 4 exercices. Donc on va pas chômer. Et à Kanji, de toute manière, en général, c'est vous savez ou vous savez pas. Hein. Y a pas, ça sert à rien de passer une minute sur un mot, vraiment, c'est dans les 20 premières secondes, si vous revient pas, potentiellement, c'est que vous l'avez pas retenu, et il faut pas trop s'acharner, quand vous savez pas, bah tant pis, vous savez pas, et quand vous revoyez, par contre, quand vous avez la réponse, là, la réponse, faut la tryhard, mais de fou, jusqu'à ce qu'elle rentre dans votre tête, hein. Je pense qu'il suffit de baisser la qualité ou vérifier s'il y a aucun DL en cours. C'est quoi des DL? Non, j'ai pas de téléchargement. Et pour la qualité, normalement, je suis comme d'habitude. Mais mon PC, il a trop chauffé et je crois que j'ai trop de trucs en arrière-plan et que du coup, ça fait tout... Bah, tout péter, quoi. Je vais essayer de retirer les trucs en arrière-plan, mais voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre une feuille, du coup, à marquer exercice 1, lecture, hop, lecture, lecture, lecture. Parce que là, du coup, on va faire l'exercice... puis la correction, et à la fin, vous allez avoir une note sur 20 pour savoir si les kanji de la semaine passée, vous les connaissez ou pas. J'ai les fait rougir, non mais c'est ça. Mais là, il y a un truc qui passe pas, je ne sais pas ce qui passe, mais il y a un fichier qui veut pas passer. Une image qui est ignorée depuis tout à l'heure, et du coup, je pense que c'est ça qui va tout bugger. Mais bon, tant pis. Hein. De quoi l'autre kanji du 3? Celui-là, Kazoeru? Kazoeru, c'est compter. Mais vous inquiétez pas, là, on va faire les traductions après. Ah, Yukimi qui a fini.
Donc voilà, je pense qu'on va fonctionner comme ça toutes les semaines. On va apprendre 10 kanji par semaine avec la lecture, le vocabulaire et les traits. Et on va faire à chaque fois une bonne vingtaine de minutes de test, du moins d'exercice de lecture et d'écriture qui fera office de test. Coucou, Dek, comment tu vas? Mayu a fini, Janelle a fini. Oui, du coup, Shadow, pour là, le test, si vous n'avez pas vu la séance d'avant, bah, c'est problématique. Ou alors, vous en connaissez déjà quelques-uns, mais oui. Coucou, Hippo, comment tu vas? Je ne sais pas si j'ai remercié Alan d'avoir follow. Oh, si tu es encore là, merci beaucoup pour ton follow, je suis désolée. Quand je suis dans mes applications, des fois, j'oublie. Coucou, Xia, bonsoir. Bon, je pense que du coup, je vais pouvoir vous montrer la correction de celui-là. Ah, d'accord, Shadow. D'accord. Je peux te poser une question avec mon clavier. Je peux faire les hiragana. Il faut que j'installe quelque chose pour les katakana. Alors, du coup, bon, tu demandes à Pure Noob, mais comme il l'a dit, t'as pas besoin d'installer. Genre, c'est pré-dedans déjà installé. Ah, dekimashita. Ok. Donc, du coup, je vous montre la correction. Alors, ブラシ を一つ買った。ブラシを一つ買った。Est-ce que vous savez ce que ça veut dire dans le chat? Je vais vous faire travailler la traduction tant qu'à faire. On n'a pas encore vu les verbes ensemble, hein. Mais ici, katta, c'est acheter. J'ai acheté. J'ai acheté quelque chose. ブラシ を一つ買った。Et oui, bien joué, Ishtari. Burashi, c'est une brosse, brossage feu, par exemple. Burashi. Oh, bien joué, Destiny. Donc, Burashi o hitotsu katta. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Do desu ka? J'ai acheté une brosse, tout à fait. Cours compliqué aujourd'hui. Alors, là, on est sur la partie test, hein. Sur les lectures de kanji, mais je vous donne aussi la traduction des phrases. Pour ceux qui ont un niveau un peu plus avancé, ça permet de travailler ça aussi. Moi, je n'achète jamais de brosse à cheveux. Pas besoin. So. Deuxième phrase, du coup, la lecture, c'était futari, deux personnes. Kore wa futari dake no hanashi desu. Est-ce que vous savez ce que c'est? Bah, Pure Noob, si, hein, tu peux participer, évidemment. Pour ceux qui ont du mal comme ça. Ah oui, Mayeux, t'as raison. C'est alors pourquoi? C'est parce qu'en fait le dernier, il n'était pas au programme. Donc il devrait être en rouge en fait. Vous l'avez pas vu le dernier. On va le voir aujourd'hui justement. Dakara. La faute, elle est là. Eh, un d'accord. Hein? Kore wa futari dake no hanashi desu. Donc je vous donne la réponse, ça veut dire ceci, hein, kore wa futari dake, seulement eux deux, no hanashi, l'histoire. Donc c'est seulement leur histoire à eux deux. Hein. Futari no hanashi, l'histoire de deux personnes. Futari dake, seulement deux personnes. Dake, ça veut dire seulement, hein, restriction, c'est leur histoire à eux deux. Hein. Kore wa futari dake no hanashi desu. Et imaginons, il y a du drama et ils sont en mode ah, mais laissez-les, genre c'est leurs histoires à eux, on n'a pas à en s'en mêler. Bah là par exemple, kore wa futari dake no hanashi desu, c'est genre ça les concerne tous les deux. Tatoeba. La troisième du coup, donc là c'était pour savoir si vous connaissez vos chiffres, hein. Ichi kara ju made kazoete kudasai. Et là bah, j'ai donné plus ou moins le verbe tout à l'heure à Ishtari. Kazoeru, c'est le verbe compter. Et kara made, c'est des particules qu'on n'a pas encore vues ensemble mais qui sont pas compliquées à comprendre. Et donc je pense que certaines personnes la connaissent déjà. Comment vous la traduirez cette troisième phrase? Ah, d'accord, nègre. Tiens, yokatta desu. bien joué, Slari. So. Kara, c'est le point de départ et made, c'est le point d'arrivée. Donc, de 1 à 10, kazoete kudasai, comptez, s'il vous plaît, de 1 à 10. Donc, voilà, point de départ et point d'arrivée. De 1 à 10. Très bien, tout le monde. Kaito, parfait. Barmok, parfait aussi. Très, très bien.
son Hades. Oh, merci beaucoup pour le follow, Kawetful. Comment vas-tu? Follow shite kurete arigato gozaimasu no channel yokoso, bienvenue sur la chaîne. Donc voilà, et pour la quatrième, du coup, avec la petite faute, parce que le kanji est au programme d'aujourd'hui et non pas de la semaine dernière. Kyo wa 3月 31 nichi, nichi desu. Donc ici, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent tout ça? Je débarque, donc ça a peut-être déjà été expliqué, mais je vois pas trop à quel moment faut utiliser la lecture on ou la lecture kun pour les chiffres. Alors, tout YOLO, du coup, c'est la complexité des chiffres, c'est que on utilise, quand ils sont tout seuls, la lecture on, ce qui n'est pas normalement le cas quand un kanji est tout seul. Et la lecture kun, c'est justement quand tu vas avoir des combinaisons. Donc, hitotsu, hito plus petit tsu, on utilise la lecture kun. Ftali, donc lecture spéciale hein, avec deux kanji. En fait, c'est l'inverse de ce qu'on fait de manière générale. Donc, quand un chiffre va être tout seul, la plupart du temps, on va utiliser sa lecture on. Ichi, ni, san, shi, go, roku, etc. etc. Et quand il va être composé d'un kana ou d'un autre kanji, on va utiliser la lecture on. Mais je te conseille tout simplement de les apprendre en tant que vocabulaire et non pas en tant que lecture. Ça sera beaucoup plus simple à faire, du coup. Oh, bien joué tout le monde. So. Aujourd'hui, on est le 31 mars. Donc, Sangatsu, hein, le troisième mois. Et Sanjuichi, ça veut dire 31, plus Nichi, le jour. Ah d'accord, merci. Mais avec plaisir, avec plaisir. Mais oui, c'est faux, on est le 13 janvier. Mais il faut que je vous fasse travailler des gros chiffres, du coup. J'ai un peu changé. Oui, Ishtari, oui. Et du coup, bon, vous avez tous bon, hein. Vous avez l'air, en tout cas, de tous avoir bon. Donc, regardez par rapport à votre... c'est dur le chinois. C'est vrai, mais nous on fait du japonais, du coup c'est simple. Retenez bien votre score, comme ça à la fin vous pourrez faire un total et juger plus ou moins si vous arrivez à bien retenir les kanji de la semaine dernière. On passe à l'exercice suivant. Donc là c'est un exercice de lecture, d'écriture pardon. Vous allez devoir écrire un kanji et du coup je vais vous lire les phrases maintenant. Kono heya de hon ga yotsu arimasu ga pen ga yatsu arimasu. Donc là, pour cette phrase, je demande deux mots à écrire en kanji. Yotsu et yatsu. Pas de chance, un 29 février aurait été moins fatigant. Bah oui, tu m'étonnes. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu as oublié de souligner le premier kanji de la dernière phrase de l'exercice. Ben non, ça on l'a pas appris. J'ai pas tout compris là, vous me perturbez. Bossez un petit peu. La deuxième phrase du coup. Watashi no kazoku wa 7 nin imasu. Kareshi no wa 3 nin imasu. Donc là, pareil, deux kanji à chaque fois. Et la troisième phrase. Kyo wa 4月 5日 desu. Ashita 6日 desu. Alors, c'est des kanji qui ne sont pas au programme, à l'écrit, mais dans la fiche de révision que j'ai donnée à tous les subs, il y était. Donc normalement, vu qu'on le voit aujourd'hui, vous devriez le connaître. C'est des kanji qui sont vraiment de base, donc... C'est ceux qui sont dans le vocabulaire hein, de la semaine dernière. Et au niveau de l'écriture, ils sont pas compliqués. Donc c'est pour ça que je les ai demandés aujourd'hui. Et on les voit de toute manière aujourd'hui. Donc vous aurez pris un peu d'avance. Cet exercice se rapporte à des leçons précédentes, si j'ai bien compris. Oui, Kawe, tout à fait. En fait, la semaine dernière, on a fait le premier cours de kanji. Qui a permis d'apprendre les kanji de 1 à 10. Et ces exercices-là, du coup, ils mettent en application. Il y a un peu genre de test sur ce qu'on a fait la semaine dernière. Pure de... Ah, je suis désolée pour mon image. Attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Attendez, je vais débrancher, rebrancher. Peut-être que ça va... Attendez. Je bug du coup, vous m'entendez, mais vous ne me voyez plus. J'aurais pu faire une tête un peu plus à mon avantage.
Genre un grand sourire. Cheese. Alors. La tête que je fais de concentrer. Hop. Voilà. Je sais pas si ce sera mieux. On verra. Vraiment, là, mon stream, il est en PLS. Et je ne sais pas, en plus, ce qui ne va pas. Tant pis. Ah, t'inquiète pas, Ayushu, t'inquiète pas. C'est, si t'étais pas là la semaine dernière, ce qui, je pense, est le cas, c'est normal. Il faut voir la leçon précédente. Mais pour tous ceux qui étaient là, du coup, il faut aussi réviser. Ok, génial, j'apprends dans mon coin depuis quelques temps, donc ça me fait plaisir de voir des exercices interactifs comme ça, surtout que je suis encore débutant. Oh, bah écoute, bienvenue à toi. J'espère que tu trouveras ta place parmi nous, dans ce grand amphi que devient cette chaîne. Ah, attendez, le problème a l'air résolu. Ah bah non, j'ai rien dit. Et puis, n'hésite pas si ce n'est pas encore fait, et je dis ça pour tous ceux qui viennent d'arriver, à rejoindre le Discord. Voilà, c'est le lieu un peu la passe-partout, où on apprend tous le japonais ensemble, où on peut poser des questions, travailler avec les bots et tout, parler de tout et de rien, avec tous ceux qui sont sur le chat habituellement. Voilà, si vous voulez papoter et tout, apprendre le japonais ensemble, n'hésitez pas. Voilà, est-ce que je vous laisse encore un peu de temps? L'écriture des kanji, ça demande un peu plus de temps que la lecture, mais... Ben ouais, c'est ce que j'allais te dire, Purnoob. Il est où le 4? Bah écoute, Kawed, j'attends ton arrivée avec impatience, alors. Et j'ai pas fait de faute, hein. Je sais quand même qu'un dit. Vous me faites flipper. Non, j'ai pas fait de faute. Ah, t'inquiète pas, Ayu. C'est parce qu'il y avait pas mes streams avant. Il y avait pas mes cours pour que tu arrives. Mais t'inquiète, avec moi, tu vas y arriver. Les doigts dans le nez. On est d'accord, hein. Tu me mets un coup de pression, Istari. Bon, du coup, je vous montre la correction. Et non, Ishtari, je m'en doutais que tu pensais à ça. C'est une lecture spéciale hein, pour le quatrième mois. On dit Shigatsu et pas Yangatsu. Lecture spéciale. Éponyme. Mais non, il faut apprendre tes kanji. Tu veux pas apprendre les kanji? Je vais retourner chanter Ko-so-ado. 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 Petite question concernant l'écriture, on utilise un clavier spécifique et où on peut écrire sur des feuilles cahiers le support qu'on a. J'ai pas très bien compris. Le mois de la mort, sans dessiner. Bon, je vous montre la correction du coup. Kono haya de hon ga yotsu arimasu ga pen ga yatsu arimasu. Donc là, faites super attention. Hein. Yotsu et yatsu, hein, ce qu'on confond souvent. 4 choses et 8 choses. Ah, Ezio me dit coucou le fantôme. Il a fait... Il fait comme ça. Voici la Kazoku. Coucou Leila-san. Et du coup... Ah, c'était ça la question, d'accord. Oui, je recommande sur papier quand même. Au niveau de la mémoire, comment je pourrais dire, mécanique, ça travaille beaucoup plus que de le faire sur écran. Ça, c'est sûr, il n'y a pas photo. Mais après, si tu ne veux pas, tu peux très bien le faire sur ordi ou quoi. Et pour les phrases, ne t'inquiète pas, hein, ça, c'est du plus. Pour ceux qui sont pas débutants, justement, j'essaye de trouver, de faire la part des choses pour tout le monde. Mais voilà. Du coup, kono haya de honga. Yotsu arimasu ga, pen ga yatsu arimasu. Qui veut dire, dans cette chambre, kono heya de, hon ga, donc on parle des livres, hein. Yotsu arimasu, il y a 4 livres, ga, mais, pen ga yatsu arimasu, donc pen et stylo, yatsu arimasu, il y en a 8. Donc dans cette chambre, il y a 4 livres, mais 8 stylos. La deuxième, watashi no kazuku wa 7 nin imasu, kareshi no wa
C'est un Inima. Ça, je pense que vous pouvez tous à peu près comprendre de quoi il s'agit si vous avez le vocabulaire. Sachant que Kazoku, vu que Laela-san et Pure Double le disent à chaque fois, je pense que vous connaissez, hein, c'est la famille. Et Nananin, Sanin, on l'a vu dans le vocabulaire. So, bien joué, Grim. Du coup, selon vous, elle veut dire quoi, ces deux petites phrases? Mémoire kinesthésique. Ah, so, desne. Arigato, Laela-san. Attention, Florence, quoi, des sons, quoi, tout, c'est un signe à l'école. Oh, c'était que les arigato, ne? Ah non, Mayeux! Ah non! Ah, Ayu, presque! On sait pas 8! So, Watashi no Kazoku wa Nananin imas. Il y a 8. Du coup, je me trompe. Il y a 7 personnes dans ma famille. Et Kareshi no wa Sanin imas. Et pour la deuxième, Kareshi no wa Sanin imas. Oh, pour la première phrase, vous avez tout géré, c'est ça. Dou desu ka? Pour la deuxième, Kareshi no wa Sanin imas. Kareshi, c'est le copain, c'est le petit copain. Kareshi no wa Sanin imas. Par exemple, Ghost wa watashi no kareshi. Demo watashi wa Ghost no kanojo desu. Kareshi, c'est pour le petit copain et kanojo, c'est pour la petite copine en général. Ah oui, éponyme. Jin, c'est pour la nationalité. Nin, c'est pour le nombre de personnes. C'est deux choses différentes. C'est le même kanji, mais les deux lectures veulent dire deux choses différentes. Non. Kareshi no, en fait, c'est pour dire Kareshi no Kazoku. Ça fait référence à Kazoku et on n'est pas obligé de le répéter ici. Wa Sanin imas, c'est-à-dire que la famille de mon petit copain est composée de trois personnes. Dans ma famille, il y a sept personnes et dans la famille de mon petit copain, il y en a trois. C'est ça, bien joué Kaito, Soso. Bien joué Anto, très très bien. Et la troisième, Kyo wa shigatsu itsuka desu. Ashita wa muika desu. Ça pareil, je pense que c'est largement accessible. Ah, coucou soliste, merci beaucoup pour ton follow. Follow shite kurete arigato gozaimasu. Sono channel yokoso. Comment vas-tu? Merci encore pour ton follow, c'est trop gentil. On est à deux apprenants de japonais de l'objectif, trop bien. Ooki kazoku desu ne. So, c'est une grande famille. Kyo wa 4 gatsu itsuka desu. Ashita wa muika desu. Oh, bien joué, Yukimi. So. Qu'est-ce que tu fais, toi? Purubi dit que tu trolls derrière. Fais gaffe, hein. Moi, je suis sérieux ici. Hein. J'ai dit merci, j'ai fait des gâteaux aux aimants de Chimash. Du coup, j'ai fait ça. Également. Ah, d'accord. Alors, hein. Bon, vous avez tous trouvé la réponse, c'est très bien. Kyo wa, aujourd'hui, Shigatsu, le quatrième mois, donc janvier, février, mars, avril, Itsuka, le 5, on est le 5 avril, Ashita wa, donc demain, Muika desu, on sera le 6. Très bien tout le monde, so. Et donc là, pareil, c'est sur 6 points, 1 point pour chaque mot. Et on passe au troisième exercice. Donc, comme on a travaillé les nombres, on va travailler juste avec des nombres. Et donc, pour le système, je vous l'avais expliqué la semaine dernière. Et là, le but, ça va être de donner la lecture de chaque kanji et de marquer dans l'alphabet romain, l'alphabet arabe, du coup, les chiffres. C'est même pas des maths, c'est juste de la lecture. Les maths, ce sera pour la semaine prochaine. Je vous apprendrai à compter en japonais. 3+7 wa 10. Là ça va, c'est juste les chiffres de 1 à 99, je vous en ai mis 4 à lire et voir si vous savez lire et faire vos chiffres. Arabia 10, est-ce qu'on dit ça? Les chiffres su, Arabia su, je sais pas comment on dit, su di. Arabia Suji.
Ah, c'était quoi ta question, Idril? Je l'ai loupée ou tu la gardes vraiment et tu l'as pas dit? Donc là, je vous laisse faire les 4 et dès que vous avez fini, vous me le dites. On en aura entre 20 et 30 minutes de petits exercices comme ça à chaque kanji, je pense, pour vous les faire réviser. C'est ce qu'il faut pour que ça rentre bien et être sûr de ce que vous avez appris. Ah, mais j'ai pas ignoré, c'est juste qu'il y a trop de messages. Parce que sinon, j'aurais recopié tout et pas juste les kanji. Ah, et Drill, du coup, oui, vous aurez pour les subs, vous aurez le PDF du test. Hein. Mais je vous le donne pas avant, sinon... sinon, ça sert à rien. Mais oui, je vous le donne juste après le cours. Évidemment. Ah, naruhodo. Oh, même j'ai des cours de maths pendant les cours de japonais. Ah. N'importe quoi. Donc voilà la correction. Sanju nana qui nous fait 37. Goju roku qui nous fait 56. Kyuju ichi 91. Et Jusan pour 13. Donc là, c'est de la lecture basique de kanji. Hein, faut savoir vos chiffres. Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hati, ku et ju. Tu développes un marché noir. C'est un peu ça, j'avoue. Et je pense que là, il va pas falloir beaucoup de temps pour vous corriger. Donc dès que vous avez fini, Akayuli... Très bien, 4 sur 4. Bien joué. Iné, iné. Il n'y a pas de petits profits. Bah 50 balles, ça va, c'est des gros profits. Hein. Dès que vous avez fini, vous hurlez. Mais je pense que pour celui-là, on peut passer directement au quatrième et dernier petit exercice. C'est bon pour tout le monde. Que j'aille pas trop vite pour ceux qui veulent regarder. Sanju nana, goju roku, kyuju ichi et jusan. Oh, 4 sur 4, bien joué. Bien joué tout le monde. Bon, allez, du coup, dernier exercice. Et là, c'est l'inverse. Je vous ai donné les chiffres. Donc, arabiasuji. Et vous me les mettez en kanji plus les lectures. Kanji et lecture. Ça vous fait réviser la prononciation en même temps que l'écriture des kanji. On est tous meilleurs en maths qu'en japonais. C'est un peu ça. Après, bon, là, ça va recompter de 1 à 99. C'est niveau quoi? CE? C'est du CE? CE1? Je sais pas, les CP, ils savent compter jusque 100. J'ai plus la notion de tout ça, moi. GG à ceux qui ont 4 sur 4. Trop long, sinon. Faut en être. Coucou Akayuli, comment tu vas? Sone. Je me suis arrêtée aux divisions. Naruhodo, naruhodo. Oui, exactement, Nikumu. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, ou qui ne s'en souviennent plus, en japonais, on fonctionne assez facilement. Donc là, si on prend le premier, vu que Grimm nous a donné sa réponse... C'est 7, c'est une dizaine. Donc c'est 7 plus 10 qui fait 70. Nana Dieu. Et en unité, on a 2. Donc 7 plus 10 plus 2 qui nous fera 72. Et ça va être le même principe pour tous les autres. Genki desu ka? Genki desu. Akayuri wa genki desu ka? C'est pas grave, Akayuri. Daijoubu desu ka? Donc pareil, dès que vous avez fini d'écrire, vous me le dites et je vous montre la correction.
Bonsoir, Béroi, peut-être plutôt. Comment tu vas? Ah, Yukimi qui a fini. Mayu aussi. Je crois que vous appréciez bien les cours de kanji, hein, parce qu'on est plus dans les cours de kanji que de grammaire. Il n'y a pas 69, c'est un scandale. Ah, Toyota qui a aussi fini. Oh oui, Azazel, t'as raison. Hein. Tant que tu ne connais pas les kanji, si tu peux au moins les faire en hiragana, c'est déjà ça. Les cours de kanji ou les cours de kandi? Les cours de kanji. J'aime bien les deux. Oh, arigato, Mayu. Ah, Yukimi qui a du mal avec la grammaire. Naruhodo. Bah, c'est le plus difficile et en même temps, c'est la base. Parce que c'est ce qui va permettre de parler. Du coup, c'est compliqué. Oh, ça marche, Ayushu. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir sur le Discord hein, pour les poser et si c'est pas très clair et tout. En tout cas, tous les replays sont sur la chaîne Twitch et la chaîne YouTube. Donc, je les ai upload hier. Faut que je refasse les miniatures et tout, mais voilà, vous les trouverez sur la chaîne Twitch et YouTube. Bon, ça a l'air d'être fini, du coup, voilà, je vous montre pour les kanji. Donc, pour les lectures, Nana du Ni. Nana du Ni pour le premier, 72. Hein, Nana du Ni. Le deuxième, 49. Yon du Q. Yon du Q. Avec des longs U à chaque fois. Hein, yon du Q. Pour 65. Roku du Go. Roku du Go. Roku du Go. Et pour le quatrième, du coup, 98. Q-ju-hachi. Q-ju-hachi. Et pour Q et Ju, mettez bien le U. Hein. Oubliez pas d'allonger. Et enfin, le dernier. 31. San-ju-ichi. Ah, les chiffres, ça a l'air d'être maîtrisé. Bien joué, tout le monde. C'est vrai. Franchement, je vous mets... Attendez, je vous mets des clap-clap parce que là, c'est mérité hein, pour les chiffres. Omedeto, minna. C'est vrai. Subarashi, c'est trop bien, vous êtes trop fort. Clap, clap, clap pour le chat. Clap, clap, clap pour le chat. Sanduichi. Ah, sanduichi. Janai. Sugoi, adjectif en i. Oui. Sodes, sodes. Mais seulement ceux qui ont 5. Pas en dessous. Du coup, les gens... Quel est votre résultat? Est-ce que ce que je vous ai dit, les techniques et tout, ça a réussi à vous faire bien apprendre les kanji? Ou est-ce qu'il y en a qui n'ont pas eu le temps? Est-ce qu'il y en a à qui la méthode ne convient pas? Faites-moi un petit retour. Au total, vous avez eu combien du coup? Oh, Mayeux, félicitations, 18,5, c'est... Oh, wow. J'ai sandwich sur 20. Trop bien. J'ai point d'interrogation sur 20. Imparfait pour petit radis, c'est vrai? Oh, 17! Waouh! Je suis en retard sur 20. Ça, c'est beaucoup trop drôle. Le plus dur a été de reconnaître la bonne lecture du kanji. Ah, naruhodo. Oh, bien joué! Bien joué, tout le monde, mais waouh! Oh, GG! Vous m'impressionnez, les gens. C'est trop bien. Bah, faut continuer. Faut continuer comme ça et vous aurez des 20 sur 20 tout le temps. On m'est détonné. 16, 19, mais c'était des super bonnes notes. Oh là là. Vraiment, je sais pas si ça se voit sur mon visage, mais je suis en mode... Waouh. Vous êtes trop fort. Parce que vous le faites à moitié en autodidacte, hein, vu qu'on n'a qu'un cours et après, vous devez vous débrouiller un peu avec les supports que je vous donne, mais... C'est que, bah c'est que ce que je vous donne, ça fonctionne aussi. Est-ce que parmi vous, certains ont utilisé Quizlet ou est-ce que vous avez seulement fait du tracé avec les supports? Les kanji, c'est plus simple que la grammaire. À son esca. Au début, je pense que oui. Après, vous n'allez pas dire ça. Alors, Azazel, Quizlet, c'est pour ceux qui ont sub, je le donne tout le temps. Mais...
Version papier. Non, mais ça fonctionne aussi très bien. Moi, c'est ce qui fonctionne le mieux pour l'écrit. De toute façon, on peut pas faire vraiment autrement pour l'écrit. Mais la lecture, je sais que Quizlet, c'est beaucoup plus plaisant de le faire sur Quizlet que de le faire en répétant encore. Hitotsu, hitotsu, hitotsu. Ça veut dire une chose, hitotsu, une chose. Voilà. Ah, d'accord, Akayuri. Ok, ok. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Space ? Dis-moi tout. Quizlet, Quizlet. Que les supports pour ma part, me suis fait un cahier juste pour les kanji, pour les copier. Oh, d'accord, d'accord. Zazel ! Bon, bah, ça va sortir à ce, bon. Bah, c'est l'avantage. Que le... Parce que comme je passe beaucoup de temps à faire tout ça, pour ceux qui veulent, il y a des petits plus. Je dis ça, je dis rien. C'est sur le Discord, un petit rôle comme ça, sub et tout. Des petits avantages, des petites channels supplémentaires. Des supports pour réviser, les cours à chaque fois en diapo. N'hésitez pas. Non, Ishtari. Non, non, non. Et pareil, je pense que je ferai tous les 5 cours. Je pense tous les 5 cours, je referai une review de tous les kanji, les 50. On va refaire ça pour forcer la mémoire. Peut-être pas les 5, peut-être les 3, tous les 3. Pour rebosser vraiment assez souvent et que ça ne part pas et que même ceux qui ont loupé les cours comme ça, ils peuvent quand même revenir et les travailler. Ah bon, bah ça va. Du coup, on va travailler les 10 premiers, 10 suivants, 10 kanji suivants. Et pour ça, il faut que je mette ma tablette. Il est où le tableau? Il est où le tableau blanc? Ça commence à sentir bon là dans la maison. Tu n'as pas mis ton lien YouTube dans la chaîne d'information sur Discord et dans la description de Twitch. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Ah, il faut que je le fasse. Oh, Maïeux beaucoup trop gentil qui offre le sub à Zazel. Je veux des clap 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 dans le chat. Clap 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 pour Maïeux. Je veux des clap 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 dans le chat. Clap 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 pour Maïeux. Trop gentil. Maïeux, arigato ne. Arigato. Du coup, bah, Azazel, tu pourras venir me voir en privé et pour que je te donne le rôle de sub et avoir accès à tous les diaporamas, tous les supports et tout et tout. Du coup, attendez, parce que moi, il faut que je fasse ma tablette, là. Du coup, je suis en mode, ouh là là, qu'est-ce qui se passe? hop. 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 Est-ce que... Oui, ça fonctionne. Et du coup, si je fais ça... Dodeska. Ah, vous voyez pas. Attendez. Hop. Attendez, hein, parce qu'il faut que je trouve le... Il est où? Il est là. Mon tableau. Pourquoi on le voit pas? Allez. Ah, si, il est là. J'ai eu peur. Attendez, hein. Hop. Je pensais que j'avais fait les modifs, mais apparemment, non. Voilà. Alors, du coup, on continue sur les chiffres hein, aujourd'hui. Et vous allez même apprendre à compter jusqu'à beaucoup. et comprendre à quel point les systèmes japonais est horrible. Très horrible. Il est bizarre ce kanji, j'avoue. Oh mon dieu, ça a bugué. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça va ou pas? Est-ce que vous m'entendez? J'ai un doute du coup parce que là tout est en rouge chez moi. Pourquoi ça fait ça? Je vous jure. Oui, ça va. Bon, ok. On va apprendre jusque man. Donc, shaku, san, sen, mille, man. Man, c'est million. Je sais plus compter en français, ça va être compliqué.
Ah, ok. Du coup, on va apprendre déjà à compter jusqu'à 999 avec ce kanji. Rien qu'avec ce kanji. C'est pas mal. Ah, c'est vrai? Je bouge plus là pour vous? Ah, j'ai eu peur. C'est revenu. Oh là là, mais c'est mon PC, je pense, qui surchauffe et du coup, je suis désolée, je suis vraiment désolée pour ça. Malheureusement, là, je sais pas trop quoi faire. Du coup, Hyaku. Hyaku, on a une lecture kun qu'on n'utilise jamais. J'ai envie de dire, je connais pas de mot avec momo comme lecture, mais elle existe quand même, donc je vous la mets à titre informatif, je vais y arriver. Par contre, la lecture on, Hyaku. Byaku, pyaku, tout ça, on va pas mal l'utiliser. Donc pour le vocabulaire, 100 se dira hyaku. On dira pas ichiyaku, hein, c'est comme pour 10, c'est juste hyaku. Et il va y avoir 3 exceptions pour 300, 600 et 800. Ah, mais arrêtez les gens, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute si ça lag. Donc, 100 se dira hyaku, 200, c'est le même principe que pour ce qu'on a vu avant, vous mettez 2 plus la centaine, ni hyaku. Par contre, pour 300, on dira pas san hyaku, mais on va mettre un petit ten-ten pour avoir le son b, et ça va devenir san byaku. 400, yon hyaku, 500, go hyaku, la 600, pareil, ça va se transformer, on dira pas loku hyaku, mais l'opiaku avec un P, l'opiaku, petite soupe, pia, l'opiaku, 700, nana hyaku, et 800, pareil que pour 600, hapiaku. En fait, c'est loku et chi qui vont se transformer en petite soupe, et après donner un son en P, donc l'opiaku et hapiaku, et après c'est Q hyaku. Voilà, de 100 à 900. Et le système est le même. Hein. Donc, si vous faites, par exemple, je sais pas moi, comment vous me diriez, par exemple, 382 dans le chat, comment vous le diriez selon vous? 382. Éponyme. Je me mets au coréen. Fini les exceptions. Mais c'est pas si compliqué. Il y en a pas beaucoup. Hein. Pour 100, il y a que ces 3-là. Pour san, il y en a 2. Et après, ça passe. San. Byaku, namour. Pas pyaku. San, byaku. San, byaku. Ni. San, byaku. Attention, hein, mettez bien des petits ten-ten. San, byaku. Hachi, ju. Ni, Sanbyaku, Hachi, Juni, Sanbyaku, Hachi, Juni. Très bien tout le monde, 100, 100, 100. Sinon, pour le kanji de 100, on est sur pas mal de traits. Hein. On est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 traits. On va commencer en haut. Faire un petit trait comme ça. Et ensuite, vous allez faire le kanji du jour qu'on va apprendre aujourd'hui. Un trait, deux traits avec un angle. Et vous fermez le kanji. Hyaku. Et Momo est une lecture kun qui n'est quasiment jamais utilisée. Mais elle existe, du coup, je la mets juste à titre informatif. Mais je ne connais aucun mot qui l'utilise. Hein. Et je pense que toi non plus, Laila-san. Je ne sais pas pour la kunyomi. Ah bah voilà. Mais moi non plus, hein, je recherche dans mes dictionnaires et tout hein, pour les savoir. Mais c'est voilà, c'est à titre informatif. Cassin dira pas Pati la papi. Ah les gens, attendez, ça lag tellement. Non, ni celui, non. Hop, je recommence ça. Donc, on fait un trait horizontal avec un petit trait qui descend comme ça. Et après, on fait le kanji du jour que l'on va voir juste après en 4 traits. Et ça nous donne quelque chose de ce style-là. Évidemment, ça ne dépasse pas. C'est juste qu'avec la tablette, c'est pas évident. Aucun mot, je dirais même aucun momo. Moi, je valide. J'ai bien aimé. Ah, Sohone, il faudrait demander à un natif, c'est vrai. Il doit certainement en avoir. Si elle existe, c'est qu'il y a des mots. Mais ce n'est pas des mots très utilisés. Est-ce que ça va pour Hyaku?
Mayeux. Ah bah oui. Un trait, donc Ichi, un blanc. C'est le kanji de blanc. C'est juste que le kanji de blanc, on va pas le voir maintenant. Du coup, tu as un peu plus avancé, Mayeux. Mais c'est ça, exactement. Ichi et Shiro. So desu ne, so desu ne. Est-ce que je peux passer au kanji suivant? T'inquiète pas, Mayu. Momonen, Momotoshi, apparemment, peut se dire Momotose dans quelques cas. Par contre, va savoir. Ah, d'accord. Naruhodo ne. Benkyo ni narimashita ne. Du coup, kanji suivant, on est encore sur les chiffres. Hein. On va voir 1000 qui se dit Sen et qui a pour lecture Kun Chi. Donc ça, par contre, on le retrouve assez souvent dans des noms de villes. Je crois que Chiba, c'est ce kanji-là. Mais voilà, pour les noms de villes, je sais qu'on peut le retrouver. Et pour la lecture Han, du coup, c'est Sen. Donc 1000, juste 1000 se dira Sen. On ne mettra pas de Ichi non plus. Et il y a deux exceptions, du coup, c'est pour 3000, on dira Sanzen. Donc on mettra des Tenten. Hein. Et pour 8000, on dira Hassen et pas Hachisen. Hassen. Petite Sen. Hassen. Du coup, les gens, comment vous me diriez 8345. Comment vous me le diriez en japonais 8345. Oui, Saifu, tout à fait. Le dernier, c'est Omo Shiroi. Donc, Shiroi de blanc. Omo Shiroi. Et oui, Niel, il me semble que c'est le chi de Chiro, je crois. Je me souviens plus de Hiro, comment elle écrit, mais il me semble que oui, c'est chi pour Sen, exactement. So desu ne. Du coup, comment vous me diriez 8345? Oh, très bien, Anto. Oh, Mayu, parfait aussi. Très bien, tout le monde. Excellent, excellent. Parfait, parfait, parfait. Vous avez tout compris, c'est génial. Parfait. Du coup, pour le kanji en lui-même, hop. On est sur du 3 traits. On démarre en haut pour faire une légère pente, puis on reprend direct pour faire une ligne droite, et enfin, on traverse le tout en partant du haut vers le bas. Je recommence. On part du haut pour descendre légèrement vers la gauche. On garde le même point et faire un trait horizontal vers la droite. Et enfin, on relie les deux en le traversant de manière verticale. Oh, merci beaucoup, Jessie, pour ton follow. C'est trop gentil, comment vas-tu? Follow shite kurete arigatou gozaimasu sur notre channel Yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Hassen, attention du coup, barmakwe. Hein. Hassen 345. Hassen. Ça me fait des révisions, je dis tellement jamais les nombres. Sonne. Malu. Le malu. Alors, malu ou handakten. Donc, ça, c'est tenten ou dakten. Et ça, c'est malu ou handakten. Dakten et handakten, c'est les termes plus linguistiques. Et tenten et malu, c'est les termes plus yasashi nihongo, genre le japonais facile. Oui, tout à fait, Ishtari. Pour 6000, c'est rokusen. Rokusen, et il n'y a pas d'exception. Et c'est très proche du katakana chi. Ah, so desu ne. So, 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 so. Je sais pas si ça en est l'origine. Je vous avoue que j'ai jamais appris l'origine des kana. Les kanji, comment dire? Ah bah attendez, on va regarder ça tout de suite. Le katakana chi, il vient de quel kanji? Si c'est lui, bah du coup tout s'explique. Mais comme je ne le sais pas, je peux pas vous le dire maintenant. Attendez. Est-ce qu'ils l'ont mis? Normalement dans le kanji tokana il y a, il me semble. Ah oui. Chi. Oh bah si. Chi, il vient du kanji de 1000, justement. D'où la lecture. Est-ce que vous allez voir? Attendez.
Chi, attendez, chi, 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 là. Là. Là, ici. Là. C'est le même kanji. Bien joué, Anto. Du coup, c'est pour ça. Scandale. Putain, vous savez... Hey. Déjà que c'est difficile d'apprendre la kanji, si en plus je dois savoir d'où vient chaque kana, je m'en sors plus, moi. Oh là là. Enfin voilà, donc c'est pour ça qu'il ressemble au kanati, c'est parce que ti vient de ce kanji. Toudoum. Révélation. Enfin voilà. Est-ce que ça va pour celui-là? Mais avec plaisir. Si vous voulez, dans le kanji tokana, il y a l'origine des kana avec les kanji. Je peux vous le scanner, vous le mettre dans kanji, enfin dans hiragana ou katakana, s'il y en a que ça intéresse de savoir l'origine des kanji. Shiritai hito imasu ka? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent savoir que je fasse ça ou pas? Est-ce que ça vaut la peine? Ça ira pour cette fois. Sonne. Enfin voilà, pour le kanji 2000, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Du coup, on passe au suivant. Et toujours dans les chiffres, du coup, c'est man pour 10 000. Pour 10 000. Man, ça veut dire 10 000. Et vous allez comprendre en quoi les Japonais, ils cassent les bonbons. Pour compter, parce qu'ils comptent en base 4. Alors que nous, on compte en base 3. Et ça, ça fait chier. Ça fait vraiment chier, je vous jure. Du coup, au niveau du kanji déjà, on est sur du 3 traits. Donc on commence horizontalement, puis on descend avec ici un hane, faites-le bien, hein, et on relie les deux, voilà, avec une petite pente. Il n'est pas très très joli. Voilà, c'est un peu mieux déjà. On est sur du 3 traits. Donc vous faites d'abord tout ce qui est horizontal, et là avec un angle et un hane, vraiment faites-le, c'est important. Parce que sinon, c'est pas la même chose. Si vous faites pas ce petit hane, c'est comme pour les katakana et les hiragana. Ishtari, bah oui, tu m'étonnes. Sonne. Alors, on dit pas hachisen, mais hasen. C'est une lecture spéciale, tout simplement. De toute façon, hachisen, c'est trop compliqué à dire, hein. Et donc, pour un japonais, il va simplifier en disant Hassen. C'est, je pense principalement un souci de prononciation. Et il faut juste retenir que c'est une lecture spéciale, du coup. C'est ça, Yukimi. C'est ça, Azazel. Exactement. Et il ressemble pas mal à Go, oui. Go, ici, du coup, hop, hop, hop. C'est différent, hein. Vous voyez, il n'y a pas le hané et vous n'avez pas la barre en bas. Mais il peut ressembler, en effet. Au niveau vocabulaire, du coup, bah, je vous ai mis man, hein, déjà, pour 10 000. Et je vous ai mis un exemple ici. Go shaku man. Si, au début, pour ne pas vous tromper, dites-vous que si vous voyez ce kanji, c'est que ça représente 4 zéros. Et donc, vous faites 500 plus 4 zéros, et donc ça vous fait au total 6 zéros, donc 5 millions. C'est la technique, la seule technique que j'ai pour ne pas se tromper dans les chiffres, c'est de vous dire que dès que vous avez man, et ben vous avez 4 zéros en plus. Et donc, imaginons, moi je sais pas, je vous fais... Qu'est-ce que je pourrais vous faire? Attendez. Si je vous écris, on va le faire en rouge, ceci. Il est pas très joli, désolé mon man. Attendez, je vais vous le refaire. Qu'est-ce que je pouvais vous dire, moi? Ça. C'est quoi ce chiffre?
Quel est ce chiffre? Donc, la lecture, si... Ah merde, attendez, on voit pas. Attendez. J'avais oublié ce détail. Voilà. Ce chiffre-là, en entier. Si vous le mettez en chiffre arabe, ça donne quoi? Oh oui, bien joué. Ah, vous avez compris. Parfait. So, so, so. Là, on est sur du... Alors, attention, je t'arrive du coup. Là, on est sur du 50. 50 man. Ça, dès qu'on a man, on sait que tout ce qu'il y aura là, ça fera 4-0. Pour 1000, on a 3000. Pour les 100, on n'a rien. Pour les dizaines, on a 4. Et pour les unités, on a 2. Ce qui nous fait un total de 50 000. Non, 500. 3000, pardon, 42. So, so, so. Et donc, du coup, quand vous y divisez, nous, on est en base à 3, pas en base à 4. Vous avez 103 042. D'accord? Vous voyez le principe? C'est pas évident. Même moi, je vous avoue que quand j'ai des gros chiffres comme ça et que j'ai pas envie de réfléchir, je les mets Google Trad. Hein. C'est relou. C'est pas un truc, en plus, on va prendre... L'automatisme, parce que Anto l'a dit tout à l'heure, par exemple, on les voit très peu, les chiffres, finalement. Et c'est pas des chiffres très gros, en général. Ah, Okaeli, des gros alus. Oui, je t'arrive, c'est exactement ça. Mais c'est normal, hein. même la prof, même la sensei, les chiffres, c'est compliqué. Alors, hein. C'est normal. Ah, il a pas voulu? Ah si, j'ai eu peur. Ah, d'accord. Comment elle lag ma tablette, c'est pas possible. Est-ce que ça va du coup pour ça? Est-ce que c'est compris? Est-ce que vous voulez que je vous en refasse un comme entraînement? On en fait un petit dernier pour les chiffres et après on passe aux autres kanji. Ou est-ce que c'est bon pour vous? Ah merde, attendez. Bon, donc on en refait encore rien, il y en a quelques-uns qui demandent. Donc pareil, je vous l'écris et vous essayez de refaire le chiffre en au total. Attendez, parce que même moi, il faut que je trouve des chiffres. Ça. Voilà. C'est déjà pas mal. Oui, Sound Ghost, c'est exactement ça. Faut aller dans un resto au Japon pour les lire et il faut qu'ils soient de luxe. Que ça vous ferait des prix extraordinaires. Alors, celui-là. Sore wa muzukashi, ganbatte kudasai. Ça fait cher la leçon, oh, j'avoue. Je vais rajouter yen, genre, ça c'est le prix que vous me devez tous. bien joué tout le monde. So, so, so. Ah, ça va, vous avez l'air d'avoir compris, je suis contente. Donc là, on refait la même chose. Hein. On a la première base à 4 ici. La deuxième qui sera là, du coup. Ici, on est sur du 600 quelque chose. 31 man.
Et ici, on a nos fameux 4-0. Donc, pour les 1000, on a 8000. On n'a pas de centaines, pas de dizaines, mais 4. Ce qui nous fait un total de... Hop, et hop. 6 318 004. C'est ça, bien joué tout le monde. Si je le réécris, hein, c'est 6 116 004. Ah, oui, je me suis douté, Ishtari. Ça va, dans l'ensemble, vous avez tous l'air d'avoir... C'est quoi comme resto à ce prix? J'avoue, en yens, je sais même pas combien ça fait d'euros, mais c'est trop cher. Juste, c'est trop cher. Hop, on va supprimer tout ça. Et on va supprimer tout ça. Donc voilà pour les chiffres. On en a d'autres. C'est Oku, par exemple. Mais c'est tellement pas du GLPT-5 et tellement grand comme chiffre que ça sert à rien pour le moment. Ah, le prononcer, bien sûr. Loppyaku sanjuichiman hasengo. Voilà. Loppyaku sanjuichiman. Je me demande si on dit le ichi. Si on dit pas juste Loppyaku sanjuman. Et dodalo. Du coup, j'ai un doute. Pur noob, est-ce que tu sais? Le prix du resto que Candy va payer quand elle nous emmènera voyager d'études, c'est tellement ça. Moi, je pense que c'est pas loin de la réalité. Hein. C'est Loppyaku hein, pour 600. Ah non, donc c'est Ichiman, c'est ça. Ichiman, c'est bon, j'ai eu bon. J'ai eu peur. So, Ichiman. Ah, bon, c'est bon. Plus de peur que de mal. Kanji suivant. Alors, on va du coup voir le kanji du jour. Donc là, plusieurs lectures. Hein. Hi, bi, ka, pour les lectures kun. Hein, et nichi ou jitsu pour les lectures on. Après cours de japonais, on passe à cours de comptabilité. Youhou! Au niveau du coup du vocabulaire, donc hi tout seul, ça sera le jour, la journée. On pourra le voir en lecture très spéciale pour nihon, hein, nihon. Mais c'est du coup une lecture genre vraiment très très spéciale. Voilà, nihon. Et ensuite on a pas mal de mots en lecture spéciale vraiment. Celui-là, il est blindé de lectures spéciales. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par exemple, aujourd'hui, on dira kyo, demain, ashita, kino, hier. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de mots qui sont irréguliers. Et en même temps, c'est le mot le plus... le kanji le plus utilisé dans la langue japonaise. Du coup, c'est normal. Pour hi ou bi, par exemple, on peut avoir hanabi. Hanabi, donc... ah non, bi, c'est le feu, j'ai rien dit. Avec bi, qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qui me met dans ce dictionnaire-là? Il y a tellement de mots que faire du vocabulaire, je pourrais vous en donner, mais genre tellement beaucoup. Alors là, dans celui-là, dans le dictionnaire, il nous donne Lainichi suru, voyager au Japon, hibi, genre les jours, hibi, ou ichinichi aussi, ça se dit, ichinichi, zenjitsu, le jour d'avant, voilà, après il y a kyo, ashita, kino, ichinichi, nihon. Et on a aussi ce qu'on a vu. Oh, oishiso. Et on a vu ce qu'il y avait dans la leçon d'avant. Donc, tsuitachi, hitsuka. Je dis n'importe quoi du coup. Tsuitachi, hitori, etc., etc. On a déjà vu des mots avec ce kanji là. Mainichi, voilà. Tanjobi, oui, l'anniversaire, c'est en bi. Très bien, merci Kaito. Honjitsu, so, honjitsu, c'est aujourd'hui, hein. Honjitsu, genre, c'est le mot poli pour dire kyo, des choses.
Éponyme. Mais oui, malheureusement. Mais après, j'ai envie de dire, là, c'est pas forcément. Apprenez pas l'irrégularité, hein. Apprenez le mot de vocabulaire en lui-même. C'est pour ça que je vous le mets, parce que c'est des mots qu'on va utiliser quand même pas mal, hein. Là, rien que dans les exercices, c'est ce qu'on a vu pour les tests. Donc, retenez-le en tant que mot de vocabulaire et pas en tant que lecture spéciale finalement. Et vous allez rencontrer au fur et à mesure plein de mots, par exemple les jours de la semaine. Getsuyo, qui se lit en bi, et ça on les verra aussi quand on travaillera justement les premiers kanji de chaque mot. Là par exemple, on pourrait avoir Nichiyo-obi, le dimanche, avec le kanji de Nichi, etc. Mais c'est du vocabulaire, là je vous fais une petite sélection et vous en découvrirez au fur et à mesure. Hein. Ne vous inquiétez pas. Au niveau du tracé, du coup, c'est pas très compliqué. Vous faites un carré. Et au milieu, il y a une barre. Voilà. Et moi, du coup, il se met automatiquement en carré. Mais grosso modo, c'est tout. Hop. Hop. Et hop. Il veut pas. Voilà, les billes utilisées dans les jours de la semaine, tout à fait. Exactement. Donc ce kanji-là, très utilisé, je vous l'ai dit, c'est le top 1 des kanji les plus utilisés. Dommage qu'ils ne mettent pas de mots, genre de petits trucs en disant il y a autant de trucs utilisés. Mais voilà. Hibi. Et là, dans ce dictionnaire-là, c'est ce qu'ils mettent en tout cas comme vocabulaire. Ce que kun et yon, kun, c'est kunyomi, la lecture japonaise. On, c'est on yomi, la lecture chinoise. Une lecture kun, pour ceux qui n'étaient pas là, vous l'utilisez de manière générale quand le kanji est tout seul ou accompagné d'un hiragana. Et la lecture on, vous l'utilisez quand un kanji est accompagné d'un autre kanji. Ça, c'est l'utilisation générale de quand on met kun, quand on met on. Mais il y a des exceptions, notamment les chiffres que l'on a vus. Il y en a d'autres pour les noms propres, par exemple. Souvent, ça sera des lectures spéciales. Mais de manière générale, au début, retenez qu'une lecture kun, c'est quand le kanji est tout seul ou avec un hiragana, ou plusieurs, un hiragana, et que la lecture on, donc kun, tout seul ou hiragana, on, avec un autre kanji ou plusieurs autres kanji. Et bi, non, c'est. Non. Yubi, pour Yubi, les doigts? Non, non, non. Yubi, ça s'écrit juste Yubi. C'est un seul kanji. Il y a toujours des exceptions, c'est pas drôle sinon. Voilà, Yukimi, elle a tout compris. Son dessiné. Enfin, voilà. Donc, je me répète pareil. Je recommence. Je me répète, mais pour ce kanji-là, vous avez plein de mots de vocabulaire. Plein, 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 plein. Et donc là, je vous ai mis des mots qui me semblent utiles à apprendre en tant que vocabulaire. D'accord? Mais il y en a évidemment plein d'autres. On pourrait rajouter plein d'autres mots. Plein, plein, plein. Kanji suivant, du coup, on continue, hein. On a vu le jour. Bah, du coup, maintenant, on va voir les mois. En japonais, la lecture kun, c'est tsuki. Et ça veut dire, du coup, la lune. Tsuki, la lune. Et on peut avoir du coup en lecture on, getsu ou gatsu, et ça va souvent concerner les mois. Les mois. Mais ils ont tous à jour avec le concept de jour ou pas? J'ai pas compris. Est-ce que du coup bi est une lecture kun à part entière? Je croyais qu'on mettait juste un accent pour faciliter la lecture. Alors. Si justement, Kawed, du coup, je pense que tu as bien compris le concept. Ici, bi, c'est une lecture dérivée de hi. Mais l'origine, c'est hi. Et c'est pour simplifier, pour. J'ai pas toute l'origine de pourquoi c'est prononcé, malheureusement. C'est super intéressant, mais je ne la connais pas. Mais c'est un dérivé, hein. C'est une syllabe dérivée. Donc ça dérive de hi pour donner bi, ou des fois pi, ça dépend des kanji. Et c'est. En général, je pense que c'est pour simplifier, hein, tout simplement. Hi, déjà, hi, les h prononcés, c'est pas facile à faire. Donc, on va simplifier avec des be, des pe. So. Du coup, la lune, c'est tsuki.
Au niveau du tracé, c'est pas très très compliqué, hein. On est sur du 4 traits. Un trait qui penche un peu vers la gauche, puis un deuxième avec un angle et un hané, super important, je le répète. Et ensuite, on fait un égal au milieu et on a la lune. Donc la lune se prononce Tsuki. Lecture Kun, quand il est tout seul. Tsuki. Et par contre, si on va le mettre, par exemple, pour le jour lundi, Getsu Yobi. Getsu Yobi. Ça fait longtemps que j'ai pas tracé mes kanji. Yobi. Et là, on voit le kanji du jour qui se lira Bi. Getsu Yobi. Getsu Yobi. Et enfin, vous avez du coup les mois. Et donc là, les mois, je vais vous les apprendre. Hein. Y a des irrégularités. Est-ce que tous les mots qui utilisent le kanji shi ont rapport au concept jour, soleil, ou il y en a qui ont rien à voir? Y en a qui ont rien à voir. Je pense que tous ne sont pas liés avec le jour ou le soleil, forcément. Ça m'étonnerait que ça soit tous lié à ça. Attendez, je vais vous lire ce qu'ils disent. Donc, au niveau du sens, Taiyo, Nihon no ryaku, Ichinichi, Mainichi, Hiruma, Nichiyobi no ryaku. Voilà. Donc, grosso modo, c'est quand même le soleil et le jour. Et on parle du dimanche et tout, etc. etc. Alors, attention, hein, confondez pas. Attention, ne confondez pas Tsuki et Suki. Hein. C'est pas la même chose. Oh merde. Ça c'est Suki. Et ça c'est Tsuki. C'est pas les mêmes kanji. Suki veut dire aimer. Tsuki veut dire la lune. Je dois quitter, merci pour tout, bonne soirée à tous. Bah merci à toi, Béroy, du coup. On est à la moitié du cours, donc bah, dès que tu as le temps, n'hésite pas à regarder le replay pour voir la suite. Hein. Enfin voilà, ne confondez pas Tsuki et Tsuki. Hein. La prononciation n'est pas la même. Il y en a un c'est Tsu et il y en a un c'est Su. Et du coup, bonne soirée à toi, Béroy. Ah, yo. Yo, bah yo c'est les clés du jour, les clés du jour, des yo en katakana et la clé de l'oiseau, mais du coup c'est composé de trois parties différentes, yo, mais ça c'est pas du JLPT5 je crois, takala daijobu, daijobu, vous inquiétez pas. Donc voilà pour Tsuki, et au niveau des mois, donc janvier, Ichigatsu. Février, Nigatsu, deuxième mois. Mars, Sangatsu. Avril, lecture spéciale. Shigatsu. Pas Yongatsu, hein, Shigatsu. Ensuite, Gogatsu, le cinquième mois. Avril, donc c'est mai. Juin, Rokugatsu. Juillet, pareil. C'est pas Nanagatsu, mais Shichigatsu. Moi, par exemple, je suis né le 11 juillet. Donc, Shichigatsu, Juichinichi. Le huitième mois, donc c'est août, Hachigatsu. Le neuvième mois, Kugatsu et pas Kyugatsu. Et après, ça continue normal, hein. Jugatsu, Juichigatsu, Junigatsu. Donc, vous prenez un chiffre, premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, et retenez juste les quatre lectures spéciales qui sont en fait, pour Shi, Chichi et Ku, des lectures on. On. Placement de date d'anniversaire pour les cadeaux, mais non, mon plus grand cadeau c'est qu'on soit 50 personnes aujourd'hui. Merci beaucoup Lacal pour ton follow, c'est trop gentil. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment as-tu trouvé la chaîne? Istari, voyons. Bon, voilà, grosso modo, mais vous inquiétez pas, la semaine pro, alors déjà, vous avez le vocabulaire sur le Quizlet et sur les fiches de traçage pour les subs, et ensuite,
On va les travailler en exercice, même pour les récaps et tout. Je vais faire en sorte d'en l'utiliser pour les cours de grammaire et tout, vous inquiétez pas. Shichigatsu, merci l'orthophoniste. Ah, c'est compliqué, hein. Shichigatsu, ça. Kanji suivant, du coup, l'année. Donc là, clairement, je vous apprends à dire la date, hein. Il n'y a pas photo. Oh, les gens! Coucou, monsieur BR2! Tu es le 1300e follower! Merci beaucoup! Clap, 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 Mina! Clap, clap, clap! Oh! 1301! Follow, oui! Oh! Visolini, merci beaucoup! Pour fêter l'objectif! Merci! Il se passe trop de trucs d'un coup! Eh ben, ça va plutôt bien, et vous? Bah, moi, ça va super! Et moi, tu peux me tutoyer. Je scrollais, puis j'ai vu ta chaîne, donc me voilà. Ayokata! Clap, clap, clap! Clap, clap, clap! Je suis contente, on a atteint l'objectif. Youhou! Candy. Oh, il est gilet. Ah merde, attendez. Du coup, faut que je refasse un peu le setup. Trop bien! C'est trop gentil. Merci pour les follow et pour les subs, du coup. Arigato. Dame! Dame de l'objectif! Et bienvenue au nouveau, du coup. Comment allez-vous? Oh! Merci, SG, pour le sub gift! Au 1300e! Clap, clap, clap! Quelqu'un m'a proposé de changer la musique d'intro. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi, pour fêter ça. Et je bois deux fois, du coup. Oh! Tchou, tchou, c'est le train de la hype! Tchou, tchou, c'est le train de la hype! Oh là là! Merci beaucoup pour le follow, Mr. Foodister! Ouais. Non, c'est pas vrai. C'est juste un message... C'est sûr? Ben oui, c'est juste un message coloré. Sinon, j'aurais une émote. Genre en mode, telle personne a donné autant. Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment... Tu me fais douter du coup, mais non hein. Mister Foulister, tu n'as pas donné 100€. Hein. J'aurais vu une émote sinon. C'est juste un follow. Et une écriture spéciale, du coup. Shilanai. Coucou, du coup, Socor. Comment tu vas? Merci beaucoup pour le follow. Tchou, tchou, c'est le train de hype. Tchou, tchou, c'est le train de hype. Tchou, tchou. Bon. Ketchup. Ketchup, onegai shimasu. J'aime bien Monsieur Foulister qui fait des modes. Là, c'est un vrai don, c'est vrai? Non, je reçois pas de notif, du coup, c'est pas vrai. Mais non, Maëva, je te snap pas, j'ai dit bonjour. J'ai dit bonjour au nouveau. Tchou, tchou, c'est le train de hype. Ah, vous m'avez perdu. Je suis désolée les gens, moi quand c'est comme ça, je sais plus quoi faire. Oui, je sais que t'es pas Noël, Maëva. Sumimasen. Coucou, comment tu vas? C'est quoi le train de la hype? Bah le but c'est d'atteindre les niveaux, genre d'avoir 100% à chaque niveau et ça débloque des émotes et tout. T'es une vieille. Ah non. Ah, arigato yankintai, kanpai. Et je sais que c'est pas des vrais dons, parce que si c'était des vrais dons, ça ferait augmenter la train de la hype, non? Ah, vous me mettez en mode PLS, là, c'est pas gentil de faire ça. Je veux... Pure double, t'as donné, je les veux, hein, ce montant de granolas, hein. Non, on va y arriver, les gens, on va y arriver. Oh! Merci beaucoup, Kawet, pour le sub. C'est trop gentil, tu viens d'arriver.
Je suis contente, c'est trop gentil, merci beaucoup. Et du coup, j'ai le droit de 3. Oh si, il y a vraiment un don. Voilà, Barmok a fait un vrai don. Merci beaucoup, merci pour les 5 euros, c'est trop gentil. Arigato gozaimasu. Je viens d'arriver, je suis conquis. Oh, ah, c'est la meilleure chose qu'on peut me dire. Qu'on débarque, boum, et qu'on est en mode, ah, je kiffe. Arigato minasan. C'est le train qui vient nous chercher pour la raclette, mais oui. J'ai découvert la chaîne, je suis niveau 0 en japonais, vous le conseillez pour quoi, pour débuter? Alors, pour débuter, est-ce que tu connais tes kana? Niveau 0, est-ce que ça veut dire que tu les connais ou pas? Parce que sinon, il faut que tu apprennes en premier les hiragana et les katakana. Et une fois que tu as appris ça, tu peux commencer la grammaire. Et tous les lives sur les kana et la grammaire sont disponibles sur YouTube. Et en plus de ça, j'ai aussi écrit un manuel qui permet d'apprendre les kana. Donc, n'hésite pas. Voilà. Et il y a Discord. Donc, tous les liens qui s'affichent là, n'hésite pas à les rejoindre. C'est le train de la raclette. Moi, c'est en train de sortir tellement bon chez moi. Il est en train de faire des hamburgers maison. Ça sent trop bon, c'était trop fin. Enfin voilà, merci pour tous ceux qui sub, merci pour les dons, c'est trop gentil, merci Barmok. Du coup, tu as pu tester, je crois que t'es l'un des premiers à faire un don, genre en don et pas en bit. Merci Mayeux, merci pour tous ceux qui ont follow et pour tous ceux qui ont sub, c'est trop gentil. On a dépassé l'objectif, oui, trop bien, trop bien. Je sais pas ce que vous voulez qu'on fasse du coup, j'ai pas d'idée malheureusement. Je fais pas du gaming, donc c'est pas comme si c'était facile. Avec les cours de japonais, c'est un peu différent, mais... Voilà, merci beaucoup, c'est trop gentil. Et du coup, je peux venir Gosto, il est dans la cuisine, mais il dirait pas non. Ah, Azazel, c'est bou, Kanji Tokana, c'est bou. Moi, j'utilise celui-là, Kanji 2200, qui est en anglais et en japonais, et qui est fait pour les étrangers, justement. J'ai mis le lien sur le Discord, normalement. Raclette. Reclette. Pas une raclette, une reclette. Non, mais moi, je n'aime pas Kanji Tokana, à part son introduction. Tu. Sans dessiner. Un stream gaming sur un jeu d'horaire. Phasmo. Des mots pour charmer. Kimi no koto ga suki desu. Faut demander à Pure Noob, il sera plus de trucs que moi pour ça. La réputation que je vais te faire. Yabai. Bon, allez, on continue, les gens. Et merci pour le tchou-tchou de la train de hype. Merci beaucoup. Alors, le kanji de l'année, qui tout seul se dira Toshi, et en lecture An se lira Nen. Donc à lui seul, ça veut dire l'année, hein, je l'ai déjà dit. Et on est sur pas mal de traits. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, grosso modo. Oh, merci beaucoup pour le follow sur YouTube. Alors la chaîne actuellement, elle ne sert que à remettre les rediffusions pour ne pas les perdre. Mais un jour où j'aurai le temps ou les sous pour payer un monteur, je ferai peut-être des vidéos. Peut-être. Mais avec mon emploi de ministre, en ce moment, c'est pas trop possible. Ah oui, non, mais oui, Kawed, so desu ne. Et du coup, alors, pour tous ceux qui viennent de follow et qui sont nouveaux, venez sur le Discord, envoyez-moi un message privé pour me dire que vous avez sub à la chaîne. Hein, parce que comme ça, je peux vous donner le rôle en privé et vous aurez accès à tous les channels qui sont réservés au sub avec tous les diapos des cours, les exercices à faire et tout et tout. N'hésitez pas, c'est vraiment le, genre, le bonus de sub et de soutenir la chaîne, donc n'hésitez pas. Donc voilà, pour Nen, Toshi, l'année. Et là, pareil, je vous ai mis plus du vocabulaire à retenir, hein, que pour l'instant, ne pas savoir l'écrire. Kotoshi, qui veut dire cette année, Kyonen, l'année dernière, et Raenen, l'année prochaine. Mais retenez, du coup, Toshi, et au niveau des chiffres, du coup, on va mettre, par exemple, l'année 2020, eh ben, on dira 2020 Nen. Comment on dira 2020, du coup? Bah là, on est en 2021. C'est plutôt 2021. Comment on dira l'année 2021? Dodeska.
Merci pour le train de la hype. Arigato gozaimasu. Et du coup, on a eu des émotes, trop bien. Merci beaucoup. J'ai eu des émotes grâce à vous. Alors, justement, Kawed, c'est ce que je veux faire, mais comme je ne suis pas, genre, je suis qu'affiliée, ça ne marche pas, ça ne le fait pas automatiquement. Du coup, je suis toujours malheureusement obligée de le faire manuellement. Alors, certaines personnes en profitent, du coup, et ne me disent pas que bah, il follow plus, enfin, il sub plus. Mais bon, c'est pas très grave, je suis pas à ça près, j'ai envie de dire. Sinon, tu exploites un de tes fans pour qu'il te fasse un démontage gratuit et tu le paies en merci. Non, non. Tout travail mérite salaire et je ne supporterai pas. Pour le paquet de granola. Merci. Merci, Javan Kanke. Arigato. Du coup, il essaye de me soudoyer avec 1 euro. Et un paquet de granola, du coup. C'est pas mal. C'est pas mal. Je sais pas ce que tu veux en échange, mais... Barmok peut déjà me soudoyer un peu plus avec ses 5 euros. Hein, mais... Paye en bonbon. C'est trop ça. So, Nisen Nijichinen, l'année 2021. Et donc, au niveau de la date, en japonais, c'est l'inverse du français. Hein. On dit d'abord l'année. Donc, on met d'abord... Non, c'est d'abord ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis le mois, puis le jour. Et donc, imaginons, on est en 2021, le quatrième mois et le 23e jour. Est-ce que des gens dans le chat arriveraient à le dire ? Dodeska. Et je vais refaire mon kanji de l'année en attendant. On révise la date, on fait du vocabulaire en même temps. Hein, c'est le but du cours, c'est kanji et vocabulaire. Mais je vous ferai des fiches. Oh merde, le kanji de naine, je le fais pas dans le bon sens. Je vous ferai des fiches pour ne pas l'oublier. Ça affiche pas le bon compte remboursé. Et du coup, oui, ça se lira naine. Du coup, on utilisera une lecture on. Parce que théoriquement, les chiffres, c'est des kanji. Hein. Du coup, c'est nen. Par rapport au fait que ce soit des kanji. Et pas toshi. So. Et donc là, pour vous donner... Je pense que quand je vais le dire, d'autres personnes vont l'envoyer. On sera sur Nisen, Nijichinen, Shigatsu, lecture spéciale Shigatsu, Nijusan Nichi. Et là, on a une date, voilà, on est le 23 janvier, février, mars, avril 2021. So. Nisen, Nijichinen, Shigatsu, Nijusan Nichi. Desu ne. 2021年 4月 23. Et il manque Nichi. Sans. Et avril, c'est Shi. Pas Shichi. Shichi, c'est pour 7. Shi. Alors, Kun, lecture japonaise, quand on utilise le kanji tout seul ou avec des hiragana. Et c'est écrit en hiragana parce que le système hiragana est pour les mots d'origine japonaise. Lecture on. C'est une lecture chinoise. La langue chinoise est une langue étrangère. Et le katakana, les katakana, c'est pour les mots d'origine étrangère. Et on va utiliser ces lectures quand le kanji sera accompagné d'un ou plusieurs autres kanji. Bon, vous avez l'air de tout savoir compris, du coup, pour la date. So desu ne. Mais vous inquiétez pas, je vais faire un cours de grammaire consacré sur le numérique, donc les dates, les heures et tout plein de trucs pour justement faire le vocabulaire et en plus des kanji qu'on aura vus. Ah oui, ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué et c'est juste le fait de le travailler encore qui fonctionnera. Donc voilà, pour Nen, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Du coup, on passe au suivant. Et là, on va apprendre du coup le kanji de Ue, qui veut dire au-dessus. Ue, au-dessus, au niveau du tracé, on est sur du 3 traits. On commence à la verticale, puis à l'horizontale.
Et là, vous avez le candy de Ue quand il est tout seul. Pardon, j'ai mal fait mon... Ue quand il est tout seul. Et ce candy-là sert pour pas mal de verbes, notamment ageru, agaru, nobolu. Il y a plein de lectures pour ce candy, mais vraiment beaucoup. Je vous ai mis, pour moi, ceux qui sont les plus importants. Agelu, c'est le fait de donner. Et nobolu, c'est le fait de monter. Par exemple, monter une montagne. Yama o nobolu, nobolimas. Et agelu, donner, donc, par exemple, donner un cadeau. Presento agelu. Donc ça, c'est un kanji quand même super utilisé, qui est dans le top 10, je crois, des kanji avec le plus de vocabulaire. Oui, c'est le 10e, justement. Ue, c'est le 10e kanji le plus utilisé pour les... dans la langue japonaise, pour le vocabulaire. Alors que Shita est en quelle position? En 39e position. Il y a... bah, là, on est au 7e kanji, il y en a 10. Donc on a bientôt fini, dans 15 minutes. Toshie. Toshie. L'autre fois, elle nous demandait ce qu'était Toshi. Du coup, j'ai dû... bah, vous. Ah, trop drôle. Toshie, non. Vers l'année. Ah, so dessiné. Ah. Donc voilà. Vous avez donc Ue, le sens de base, hein, qui veut dire au-dessus. Là, et de toute façon, vous pouvez faire un repère... pour ne pas confondre Shita, c'est que vous avez le sol qui est ici. Imaginons, je le fais en rouge. Et du coup, vous avez, je sais pas moi, à quoi ça pourrait ressembler ça. Un to en katakana qui est au-dessus. En gros, grosso modo. Et donc, vous avez aussi d'autres mots de vocabulaire, notamment jozu, lecture spéciale, en jo, lecture on. Pour dire doué, justement. Quand quelqu'un est doué, je pense que c'est un adjectif en A que vous avez certainement dû entendre. Les Japonais nous le disent souvent dès qu'on se met à parler japonais. Ah, jozu desu ne ! Ah, vous êtes doué en japonais. Donc là, ça va être un mot que vous pouvez apprendre. Le kanji de T, la main, et N5. Donc, ce n'est pas inutile de l'apprendre. C'est du N5 dans tous les cas. Jozu. Qui veut dire doué. Jozu na. Ah, quand on offre un truc, les pommes sont vers le haut. Naruhodone, naruhodo. Ah, coucou nègre, matane. Donc voilà. Pareil, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire là. C'est juste du vocabulaire à apprendre. Et le tracé n'est pas très très compliqué normalement. Et pour du coup son contraire qui est Shita, et eh ben c'est l'opposé, hein, clairement, même visuellement. Alors attendez, hop, que je prenne mon stylo, donnez-moi mon stylo. Et quand on te dit que t'es doué, faut dire Madame Adades. Oui, c'est ça. Madame Adades, ce n'est. Genre, ah non, pas encore. Madame Ada. Et puis on lui a dit quoi? J'ai une technique pour retenir Ue et Shita, mais elle est 18 plus. Je vois pas. Sumimasen, je suis trop pure pour vous. Merci les copains, j'apprécie le soutien du club 18 plus. Oh non! Bon, du coup, Shita, vous avez le sol, et évidemment, c'est en dessous du sol. Hop! Et vous avez Shita, il est très moche. Parce que ça, c'est trop grand. Plus quelque chose de ce style-là. Shita. Donc, qui veut dire en dessous. Et donc, vous avez l'opposé des verbes. Hein, olilu, descendre la montagne. Ou kudasaru, kudasai. Hein, faire quelque chose pour moi. Watashi nanika o kudasaru. Et évidemment, vous avez l'inverse de doué qui est être pas doué ou maladroit, ça dépend des traductions, avec toujours le kanji de la main. Et donc, en fait, c'est d'être doué de ses mains, par exemple, si vous voulez retenir. Hein. Grosso modo. Na. Voilà, voilà. Oh merde, vous voyez pas du coup. Enfin, voilà. Je l'ai dit deux fois, au revoir, voilà. Je t'arrive. Il me faudrait un dessin, je ne comprends pas.
そうだ、上手なんだ。お前はどう？やる気モードすらあるの？どう？Je dis continue avec mon まだまだまだですね。あ、ありがとうけど、まだまだまだまだです。Oh merde, du coup je fais mal mes kanji. Bon bref, voilà. Donc là, grosso modo, c'est du vocabulaire à apprendre. Je vous ai mis les lectures et les verbes les plus, comment dire, utiles, ceux que vous rencontrerez certainement le plus. Pareil, il y a énormément de lectures pour celui-là. Et en lecture 1, du coup, on est sur du ka ou du ge. Mais là, c'est des mots de vocabulaire. Ceux que j'ai en tête, par exemple, ne sont pas du niveau N5 ou N4, donc... Ah, ça marche, Kawed, pas de soucis. Bah, je m'occuperai de ça. Dès que j'aurai fini de manger, je viendrai régler tout ça en MP, donner les rôles et tout. Arigato, arigato. Oui, mais moi, je peux pas dire ça. Et force son respect. La violence. J'appréhende les MP de Pyrnob et son talent de dessinateur. Je veux tellement voir ça. Je vous jure. Mais alors non. Du coup, non, en fait, je veux pas voir parce que c'est 18+. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et du coup, avant-dernier kanji, pareil, on va voir droite et gauche. Donc, on aura vu en haut et en bas et droite et gauche. Là, on est sur les directions. Hein. J'essaie de faire des thèmes à chaque fois, un minimum pour que ça soit cohérent. Donc, pour droite, alors, je vais vous mettre les deux kanji maintenant. Je suis en train de bugger. Donc ça, c'est gauche. Et du coup, ça, c'est droite. Et ce kanji-là, c'est la bouche. D'accord? Je vais essayer de faire une bouche. C'est la bouche. Et donc, les Japonais mangent de la main droite. Retenez-le comme ça. Les Japonais mangent de la main droite. Et ça, ça fait référence à un outil. Donc, imaginons, je fais une hache. Les Japonais mangent de la main droite et travaillent de la main gauche. Et donc ça, on peut dire que bah, c'est la représentation de la main, du coup. Hein. D'accord? Manger de la main droite et travailler de la main gauche. Pour ne pas les confondre, en tout cas, moi, c'est la technique que j'ai. Après, je ne sais pas si elle fonctionne avec tout le monde. Mais normalement, c'est le sens plus ou moins qu'a le kanji de base. Donc là, pour Migi. Migi, la main droite. Hop. Avec Kutsi. On est sur du 5 traits. Donc je le refais. Premier trait à la verticale. Oh, je me trompe de trait. Ah oh, bah écoutez, les gens, je me trompe d'ordre de trait, je crois. C'est horriblement moche, du coup. Donc vous faites un trait qui descend, un autre qui le croise. Et vous faites Kutsi, donc un carré. Hein, et un carré en japonais, on est sur du 3 traits. On part de la gauche, après on va à droite. Et on le ferme. Et ça, c'est Kuchi, la bouche. Ah, c'est trop moche. Je me trompe de lecture. Bon, c'est pas grave. Bon, vous vous trompez pas, du coup. Mais moi, c'est trop tard. oui, du coup. Oui, Barmok, ça peut être une solution. Barmok, t'as... L'aide que je donne, hein, l'utilisation générale. Et après, oui, c'est le vocabulaire. Tu vas te rendre compte que, ah bah là, c'est une lecture spéciale. Bon, bah, je le retiens. Ah bah, pour un autre kanji, ah bah là, j'ai retrouvé une lecture spéciale. Bah, je retiens le mot de vocabulaire. Et ça va se faire petit à petit. Hein. C'est le lexique aussi, quand votre lexique va s'agrandir. C'est des choses qui vont... Des soucis qui vont disparaître au fur et à mesure de vos connaissances. Hein, donc, vous inquiétez pas. Hein. Du coup, droite se dit migi en japonais. Et si on veut dire qu'on est droitier, on va rajouter le kanji de la main qui se dit te. Et ça va devenir Migite, la main droite. Et on peut avoir un autre kanji. Alors, attendez. Avec le kanji de gauche. Qui se lit Sayu. Donc, lecture on de droit, c'est Yu. Hein. Et donc, la gauche plus la droite se dira Sayu. Sayu. Ah, bye bye Kawen, merci d'être passé, merci encore pour le sub, bienvenue dans la Kazoku, comme dirait Pyrnoob, et à très vite, prochain cours demain, d'exercice, 18h30, voilà. Il y a cours tous les lundis, mercredis et jeudi à 18h30, pour ceux qui ne savent pas,
des bisous. Donc voilà, pour le kanji, j'ai pas d'autres mots de vocabulaire super importants à vous dire. Retenez bien migi, la droite. Et du coup, le dernier pour aujourd'hui, c'est la gauche qui se dira hidari. Hidari. Et niveau vocabulaire, du coup, je vous ai mis évidemment la même chose. Si vous voulez la main gauche, donc c'est hidari plus la main hidarite. Hidarite. Et donc, bon, là, c'est comme tout, hein, au niveau des traits, vous avez le diapo, le vocabulaire également. Pour apprendre le vocabulaire à lire et à écrire les kanji, vous avez Quizlet. Et vous avez la petite fiche que je vous ai donnée aussi avec les cases, voilà, pour vous entraîner à écrire encore. Gauche, tu commences par le trait le plus à gauche, droite par le haut, comme quelque chose de droit. Ben oui, non mais du coup, je me suis toujours trompée de l'ordre, parce que pour moi, c'est la même chose. Mais non, en effet, quand pour le kanji de droite, on va commencer tout en haut pour descendre, alors que pour le kanji de gauche, on va commencer à gauche. Je savais pas. C'est tellement bizarre du coup, mais c'est pas grave. C'est juste une mauvaise habitude. Donc ne vous faites pas avoir. J'y serai. Arigato gozaimasu. Yeye, kochira koso. Merci encore pour ton sub. C'est trop gentil. Labou labou. Labou labou. Donc voilà. Pour les kanji qu'on a vus. Je vous remonte ça. On a vu 100. On a vu 1000. On a vu 10 000 pour les chiffres. Et on va s'arrêter là, hein, pour les chiffres. Donc vous serez comptés en japonais. Ensuite, on a vu les jours. Donc là, le cours sur les jours, ça sera, je crois, dans 2 semaines. Et donc, on apprendra les jours, on apprendra les mois, on apprendra du coup à faire une date au complet, même si je vous ai déjà spoil. Hein. Et on a vu du coup les positions en haut, en bas, à droite, à gauche. Et on a bien bossé aujourd'hui, je pense. C'est un cours bien intensif. Donc, je le répète, la technique, c'est pour l'écriture. Vous n'avez pas d'autre choix que de tracer votre kanji encore et encore. Quand il peut se dire tout seul, tracez-le tout seul pour le retenir. Et quand vous avez des mots de vocabulaire, alors tracez-le avec le kanji qui va avec. Hein. Surtout sur le PDF que je vous ai donné, de toute façon, c'est guidé. Hein. Y en a, ça ne sert à rien de l'apprendre avec le vocabulaire parce que les kanji sont trop compliqués. Je pense notamment à ici, hein, Kotoshi, Kyonen, Lainen, les premiers kanji, c'est pas à savoir pour le moment. Donc là, il faut juste apprendre à les lire. Je vous demanderai jamais de savoir les écrire. Par contre, si on regarde Heta ou Jozu, ça, le kanji de T, c'est du N5. Vous allez l'apprendre dans les leçons à venir. Donc, je vous entraîne dès maintenant à les écrire. Donc, vous avez toujours plus de 10 kanji à apprendre. Mais il faut les apprendre ensemble pour apprendre le vocabulaire aussi. Donc, c'est un mal pour un bien, si je puis dire. Donc, pour les écrire, vous prenez des feuilles, vous les écrivez tout seul, vous les écrivez avec les vocabulaires qui va avec, en prononçant le mot de vocabulaire et en vous disant, par exemple, si vous écrivez, par exemple, Sanzen, et ben vous écrivez Sanzen et vous vous dites Sanzen 3000. Vous les réécrivez Sanzen 3000 et votre cerveau, il va travailler tout seul en faisant ça. Il va le retenir. Dès que vous allez l'écrire, hop, mémoire kinesthésiste, hop, Sanzen, 3000, etc. Et vous allez avoir la prononciation avec. Et pour la lecture, Quizlet est parfait avec les decks de cartes. Pour ceux qui veulent, vous pouvez même vous créer des decks Anki. Hein. Moi, je suis plus Quizlet, mais vous pouvez. Et pour la lecture, ça fait vraiment bien le taf sur Quizlet. Voilà. Il y a combien de kanji pour le N5? Il y en a une centaine. Il y en a une centaine. Je ne sais pas combien exactement, mais il y a une centaine, au moins. Enfin voilà. Ah, Jané Azazel. Sonné, merci Mayeux pour le subgif. Matashita, bye bye Azazel. Et oui, du coup, on a déjà 20 kanji. On a vu travailler 20 kanji là pour le moment. Est-ce que vous avez des questions sur le cours d'aujourd'hui? Est-ce que ça va? Je sais que c'est beaucoup d'infos et du coup, bah, il vous faut la semaine, hein, pour les apprendre. Tracez-le bien tous les jours. Ouvrez Quizlet tous les jours. Voilà, il faut. Il faut, il faut.
Et vous les retiendrez et vous aurez de très bonnes notes au test des peu de cours à chaque fois. C'est une question d'entraînement, malheureusement. Il faut prendre le temps, un peu tous les jours. Là, le cours est fait. Après, c'est votre côté. Question, est-ce qu'on peut reprendre depuis le début? Alors justement, je vais faire des récaps. Mais je ne sais pas à partir de combien de leçons. Est-ce que toutes les 3 leçons, ça vous semble bien? On fait 3 leçons, 30 candy, et on refait un récap des 3 pour permettre à ceux qui ont du retard de gagner une semaine, par exemple, en faisant des exercices de lecture et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? 3 leçons, 4 leçons, 5 leçons? Oui, dis-moi, Akayuli, vas-y, je t'en prie. On est à la fin du cours d'Ozo. Toutes les 5 leçons? 3 leçons? Goman! Goman, ça fait beaucoup! Dodeska. Je ferai un sondage, vous savez quoi? Je ferai un sondage sur le Discord pour savoir qu'est-ce qui est le mieux. Ah, Diane Barmok, avec plaisir pour le cours et puis à la prochaine. Hein. Beaucoup. Alors, tous les pronoms ont un kanji. Hein. C'est pas parce qu'il y a un kanji que c'est pas japonais. Mais du coup, oui, beaucoup a un kanji, c'est normal, comme watashi. Anata aussi, même si on ne l'utilise pas. Mais beaucoup aussi a un kanji. Et il y a une connotation à l'écrire en kanji, ou à l'écrire en hiragana, ou à l'écrire en katakana. Pas besoin de sondage. Narihodo. J'ai dit quoi? Je suis fatiguée là. Merci beaucoup, Jamziziki. Je sais pas comment on lit, excuse-moi. Pour ton follow. Oh putain, je suis fatiguée, moi, dis donc. Ah bah voilà, Laïsan. Anata, il sort dans Persona 4 à Kanji. Je suis perdue. Bon, ça a l'air d'aller du coup. Ah, j'avais déjà dit Kanji, ok. Bon, sur ce, les gens, je vais vous laisser. Je crois que monsieur a fait à manger. Et là, ça a l'air trop bon. Oh, je me vais régaler. Y a qui à la raid aujourd'hui? Et pour les Kanji, du coup, je ferai un sondage sur le Discord. Je ferai un petit sondage. Hop, donc n'hésitez pas à venir sur le Discord pour ceux qui ne le sont pas pour le moment. Ah, Naruhodo. Bah écoutez, j'ai... Qui? Est-ce que vous avez des recommandations? Okikaze Live, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il ou elle fait? Je vais aller regarder. Ah, c'est du dessin. Ça a l'air cool. Ah, bonne soirée à Kayuli. Matane. Oh, il est tout petit. Allez, on va le raid. C'est un tout petit streamer. On va lui donner de la force. Hop. Voilà. Ben écoutez les gens, du coup, merci à tous d'avoir suivi le cours. J'espère que ça a été, que tout était compris. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez et à bien réviser tous les jours. Voilà, n'hésitez pas, je vous fais des gros bisous. À demain, cours d'exercice du coup. Et révisez bien votre japonais. Et puis, à la prochaine. Otsukaresama desu. Otsukaresama desu, minasan. Bye bye.